Enfin, je te fais un gros bisou et puis voilà. Salut. Allez, passez une bonne soirée du coup. Merci. À très vite, alors. Merci, à très vite. Je dis pas, Homer c'est des dinosaures. Homer c'est des putains de dinosaures. Des triceratops, ce triceratops. Elles sont en voie de disparition. Bonjour. Bonjour. Vous savez pas où est-ce que je peux trouver Mademoiselle Queen? Elle était là il y a même pas 5 minutes. Attendez, vous avez pas son numéro? Mais si, mais j'essaie de l'appeler, mais elle me joigne pas. Elle me répond pas, pardon. Ah, bah je pense qu'elle a pas envie de vous parler, monsieur. Hein. Pardon, vous pouvez. Elle est en service, rigole, elle est en service. Monsieur, rigole, c'est une blague, monsieur. C'est une blague. Vous ferez gaffe, ça se trouve, votre mari. Allez, au revoir, merci. Allô, Marc? À la bonne heure! Ah, tu as cherché à m'appeler? Je suis désolé. Bah oui, je t'ai acheté deux fois, devant ton poste. Ah bah mince alors, je suis désolé, j'étais aux toilettes. Oh, putain, wow. Hein, pour que tu restes longtemps que c'était... Hein, t'as mon... Hein? Bah non, mais tu sais comment sont les femmes, elles sont toutes en train de se maquiller. Tu es où là? Je suis dans le commissariat. Ah, moi je suis dedans. Bah. Je viens de terminer ma mission. Reste dedans, j'arrive. Ok, à tout de suite. Attention. Oh putain, pardon. Pardon. Oh putain. Mais pardon, putain, j'appuie sur le mauvais bouton. Je suis désolé. Mauvais bouton, mais c'est la troisième fois que tu me frappes, en fait. Je vous demande pardon. Vraiment, désolé, pardon. Désolé. Marc, c'est quoi ce costume? Bon, bon. Tu travailles au cirque? Allez, c'est bon, merci, j'ai droit aux remarques des collègues. Si tu veux, j'ai fini là, donc c'est quoi? C'est vrai? Ouais, tu veux qu'on se fasse une soirée tous les deux? Je sais pas, t'as quelque part où aller? Ouais, on peut passer chez moi si tu veux, mais j'ai l'impression que t'as pas très envie. Non, si, bien au contraire, j'ai pris justement, okay. J'ai pris ma journée. J'ai eu peur. Tu veux monter sur ma mobylette? Enfin, sur ma moto, pardon. Oui, bah vas-y, allez, vas-y. C'est ta moto à toi? Oui. Classe. J'aime bien les motos en plus. Allez, je me mets derrière. Monte derrière moi. Doucement, les tourtereaux. Je peux m'accrocher à toi? Ouais, tu vois, tu accroches. Ah, c'est trop mignon. Mets ta main autour de ma taille, enfin de mon ventre. Voilà, c'est bon là. Voilà, nickel. Bon, allez, accroche-toi. C'est la première fois que je suis lié à quelqu'un tout court, quoi. Wouh. Mais gros bébé, ils viennent de se lever avec leur petit mollet. En tout cas, ça me fait trop plaisir, moi, d'être avec toi après cette longue journée de travail. Waouh, c'était trop bien cette petite balade. Mais il te vient d'où en fait ce costume? Oula, c'est bon ça. Disons que j'ai pas eu le temps de m'habiller, j'ai pris tout ce que j'avais dans mon placard, je suis désolé. Comme t'as pu l'entendre, mes collègues me taquinent beaucoup, je travaille dans un cirque, je suis un clown. attends, tu bouges pas, reste ici s'il te plaît, bouge pas. Ok, d'accord, j'attends. Allô? Ouais, c'est ça. Mais sérieux de quoi? Tu vas où là? Mais je vais où? Je vais chez moi, enfin je suis chez moi là. Non mais là tu vas où là? Mais je suis chez moi! Je suis chez moi là! Bah où avec ta copine là? Attends, c'est... Non, mais tu me... Ah, tu me parles du jeu! Mais j'ai... Wow! Attends. Oh, tout va bien? Tu m'as... tu m'as pris par terre? C'était un chabit. J'ai l'impression que t'aimes bien jouer à ce jeu. Qui se ressemble, ça semble. Bah écoute, c'est là. Je te laisse rentrer. Mais c'est magnifique chez toi. C'est un appartement que du coup je loue depuis peu. Tu veux que je te fasse visiter? Ouais, je veux bien. On commence... Du coup, c'est la petite entrée. Bah, c'est vraiment super beau, c'est super classe, c'est moderne. J'aime bien un peu allier, tu sais, végétal, un peu l'art. Quand je suis pas au travail et que je sors pas en ville, je joue pas mal aux jeux vidéo. Donc je me suis installé un... Eh bah dis donc! Je me suis installé un petit PC, tranquille. Ah putain, bon, voilà, bordel. Bah franchement, mazel tov à toi, hein. Franchement, bien vu. Là, du coup, c'est la cuisine. Bon, d'accord. Fais pas gaffe, je suis parti assez rapidement tout à l'heure. J'ai laissé un petit peu tout en vrac. Oh, putain, attends. T'as une jolie bouteille de vin ici, là. Ouais, c'est du vin rouge. Mais tu bois tout seul. Bon, quand je prends un petit repas, toujours un petit verre de vin qui met bien, quoi. Eh bah franchement, je vais te faire une confidence. D'accord. Dis-moi. J'adore moi aussi cuisiner avec un petit verre. C'est toujours agréable de cuisiner avec un petit verre de vin. Oh, franchement, par contre, la vue, waouh. Mais tu payes cher en loyer? Alors là, en fait, c'est un appartement qu'on a pris à deux avec. Oula, attends. Ah oui, excuse-moi, j'ai rien dit. Non, mais j'ai rien dit. Il est plus en ville et donc on avait fait moitié-moitié à l'époque. Et là, du coup, je suis à devoir pour acheter sa part. D'accord. D'accord. Attends, regarde-moi. Attends, bouge pas. Regarde-moi. Oui. T'as mis du rouge à lèvres? Oui. Super beau. Toujours. Là, du coup, c'est la chambre. Waouh. Tranquille. C'est ta chambre ici? Ouais. Bah, dis donc, c'est un lit à deux places, ça, non? Ah oui, hein. Comme ça, j'ai toute la place. Ouais, c'est vrai. tu pourras t'étirer comme une tigresse. Et là, du coup, bah, sur la salle de bain, sur l'italienne. Eh bah, dis donc. Waouh.
Attends, attends, c'est juste pour un test, hein. Viens, attends, essaye de rentrer. On voit si on peut rentrer à deux. Ah oui, enfin, ouais, tu peux, on peut faire. Et là deux. Aussi, on peut rentrer à deux, là. Voilà. Attendez. Ah, attendez. Deux secondes. Expire, respire. Pas tous les jours, ça, vous allez me voir faire ça. Hein. Tout va bien pour toi, Marc? Bah, depuis que je me suis assis là, ça va beaucoup mieux. La journée a été longue, c'est ça? Un peu, oui. Attends deux secondes. Allez, putain. Oui, allô? Non, mais attends, pourquoi tu pleures? Non, mais c'est bon. Mais c'est un jeu! C'est un jeu! Je vais filmer mon chat. Marquez dans le chat, c'est un jeu. Mais non, marquez pas baise-la, putain! Oh là là! Ça vous dérangeait pas si je vous pose certaines questions? Pas de soucis. Et tu peux me tutoyer, Marc. D'accord. J'avoue que tu stresses, là. Ah, mais c'est pas tous les jours où j'ai l'occasion d'être habité dans un aussi beau appartement. Et enfin, voilà, je veux dire, t'as quand même une bonne situation, t'as un travail, t'as un bel appartement, t'es une belle femme. Et je veux dire, enfin, parmi toutes les personnes en ville, t'as trouvé personne? Bah, si. Qui? Bah, à ton avis, Bêta. Il s'appelle Bêta. Mais non, Marc, à ton avis. Moi? Bah oui, toi. Mais c'est ça ma question, c'est pourquoi pas un autre que moi, quoi. C'est les mecs, quand même, c'est des beaux gosses et tout ça, et... Enfin, je sais pas. Bah, toi aussi, t'es plutôt pas mal, Marc. Tu m'as fait craquer un peu, hein. Non, en vrai, on a passé des bons moments, alors je me dis, bah, pourquoi pas continuer comme ça, quoi. Après, je vais voir mon capitaine, j'ai l'impression que ça va pas bien. Je pense qu'on va se bourrer la gueule, lui et moi, là. Ça va être vite fait, bien fait, ça va être vite fait réglé, tout ça. Je peux passer un petit coup de fil? Oui, vas-y. Merci, merci. Vas-y. Merci. Mon capitaine. Ouais. Tout va bien? Ah, ouais, comme un gars qui vient de récupérer ses hommes. Ouais, t'as raté une fusillade, hein. Oh, non! Ouais. Ah, c'est ça, hein, de voir baiser des schnecks, hein. Non, j'ai vraiment raté une fusillade, mon capitaine. Ouais, t'as raté ça. Je sais pas, avec des trous du cul, ouais, t'as raté une fusillade. Du coup, il s'est passé quoi? Racontez-moi vite fait, en topo, vite fait, en gros. Course-poursuite, début de tir, montagne, accident et fusillade. On a eu des blessés dans notre côté? Ouais, le lieutenant et deux cadets. Ils sont arrivés à l'hôpital, là? Je sais pas, tu veux que je te récupère? Bah, allez-y, mon capitaine, j'arrive. Je me dirige directement vers le commissariat, d'accord? Ok, je t'attends, Komiko. Et j'arrive à tout de suite. Queen? Oui? Je suis désolé, va falloir que je te laisse, d'accord? Oh non, sérieux? Ouais, déjà? Ouais, je sais, j'ai une petite urgence, il y a eu une fusillade. J'ai des collègues qui sont très blessés, puis je peux pas rester ici. Oh merde. Bah tout à l'heure, enfin, j'ai fini mon travail à minuit. Tu seras là ou tu seras peut-être en train de dormir? Peut-être, je suis pas sûr, mais tu m'enverras un message et puis je te dirai, ok? D'accord, ça marche, je suis encore désolé. Hein. Okay, pas du tout, t'en fais pas. Enfin, je te fais un gros bisou et puis voilà. Salut. Allez, passez une bonne soirée, du coup. Merci. À très vite, alors. Merci, à très vite. Vivement mes RTT, moi. Tiens, j'espère qu'il y a rien de grave au commissariat. Hein. Je vais faire au plus vite. En tout cas, j'ai vraiment passé un bon moment avec elle. Hein. Je l'aime bien. Il y a une fille là. Mon capitaine. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Mon capitaine, bonjour. Capitaine. Je vais mettre en tenue, mon capitaine. Je vais mettre en tenue. Je l'ai pas fait. On peut y aller, cadet. Non, mes collègues avant tout, ça va pas ou quoi. Moi, j'aime pas mes collègues dans le chien. Attends, vite fait. Tu t'es fait mordre par un jaguar là? Oui, il y a des jaguars en fait, dans les montagnes. On a arrêté deux mecs. On était à côté des montagnes, on les arrête, je les mets dans le véhicule, et juste après je me fais attaquer. C'est un truc de ouf, moi je sais pas, moi les gens quand ils sont morts, la plupart du temps, c'est par des chiens, par des chats. Mon capitaine, par contre, va falloir vraiment que je vous passe, vous avez 2 mètres à ma corde, mon capitaine, s'il vous plaît. Ouais, 65, allez. Qu'est-ce qu'il y a, tu m'inquiètes? Tout va bien, mon capitaine, mais j'ai besoin vraiment de vous parler. Ok, attends, j'arrive. Il va être gêné. Mon capitaine, maintenant que je l'ai grillé, je sais comment il est maintenant. Je te jure, il m'a vraiment fallu plusieurs jours pour le capter. Bon, tu m'inquiètes, qu'est-ce qui se passe? Mais non, tout va bien, mon capitaine, ne vous inquiétez pas. Capitaine, écoutez... Enfin, Chabit, t'es mort, hein. Non, je vous promets que non, mon capitaine. Écoutez, je vais être franc avec vous, mais faut vraiment que vous me laissiez parler jusqu'au bout. Une fois que vous entendrez plus l'intonation de ma voix, là, vous pourrez parler, mon capitaine, d'accord? Ouais, vas-y, dépêche-toi. J'ai l'impression que... Au téléphone, mon capitaine, vous êtes plus ouvert d'esprit et arrivé en face, je ressens un sort de, je dirais pas un blocage, mais une sorte de retenue. Capitaine, vous savez, je vais vous dire quelque chose avec tout le respect que j'ai pour vous, mon capitaine. Vous pouvez vraiment y aller, c'est-à-dire que si vous avez quelque chose à dire, à me confier, etc., etc., vous êtes mon boss, mais vous pouvez tout me dire, mon capitaine. Mais vous pouvez vraiment tout me dire. Voilà, j'ai l'impression que vous me dites pas tout. Enfin voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, mon capitaine. Il bégaye.
Qu'est-ce qu'on te l'autre tasse? C'est mon capitaine, je prends les photos. Ah, j'ai touché un point sensible. Non, c'est pas ça, c'est juste que je m'y attendais pas sur le coup. En tout cas, si vous voulez pas parler, y'a pas le problème, mais en tout cas, moi, je tenais à vous faire part de mon ressenti. Chose que j'ai observée. Non, je vais essayer de faire des efforts, mais bon, c'est juste que en face à face, je peux pas me permettre certains trucs devant tout le monde. D'accord, très bien. Mais on fera ça à l'écart, d'accord? C'est beaucoup. J'ai une pute là qui m'a... Attends, mais pourquoi vous a posé un plan? Mais en fait... Je sais pas, elle m'a lâché un faux plan, elle m'a dit... elle m'a trouvé une excuse, elle m'a niqué. Mais... Elle m'a dragué, elle m'a fait du charme, elle m'a fait plein de trucs. Elle m'a baisé, je l'ai appelé toute la soirée, elle m'a pas répondu, elle m'a lâché que des vents. Regarde ce message, hein. Regarde ce message. Faites, lisez-le s'il vous plaît. Bonjour monsieur Pierce, désolé, oui, tout va bien, juste un gros imprévu, possible de reporter ce petit rendez-vous à demain. Bah, mon capitaine, voyons. Non, je les connais les meufs. Je les connais les meufs. Mon capitaine, moi si je peux me permettre avec mon expérience. Une femme, c'est vrai qu'ils ont un certain vice, mais il faut toujours leur laisser le bénéfice du doute. C'est-à-dire que cet imprévu-là, ça se trouve, il est vraiment réel. Ça se trouve, vraiment, au dernier moment, elle a eu un intempérie, elle a eu un truc grave, un accident, un membre de sa famille. C'est comme nous, des fois, mon capitaine. Des fois, on veut y aller dans un lieu pour aller déjeuner, et tout à coup, boum, silence radio, on a un coup d'appel, faut qu'on poursuive une voiture. Ouais, y a des trucs au dernier moment. C'est des choses qui peuvent se passer. Ouais, mais on met pas un faux plan à la une heure avant le truc, quand même, bordel. C'est dégueulasse, ça, je suis pas une pute, bordel. Tu vois bien, si elle annule le rendez-vous, elle me dit à 19h. Ah, et toi, alors, ta meuf, c'était comment? Bah, je suis venu aussitôt. Bon, ça a pas duré très longtemps, on a beaucoup discuté. Attends, est-ce que par hasard, hein... Attends, est-ce que par hasard t'aurais fait ça? Mon capitaine, oh non, moi, ma question, c'est... Est-ce que t'as fait ça? Ou... Vous allez me faire des pompes, je suis sûr. ou alors, t'as fait des pompes... Et t'as fait... Je ne peux pas répondre à ce genre de choses, mon capitaine. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça s'est super... Non, on l'a fait que de communiquer, mon capitaine. Et bizarrement, vous allez trouver ça drôle, mon capitaine. Bizarrement, on a échangé nos vies. Je lui ai parlé d'avenir et elle m'a répondu. Je lui ai demandé si elle souhaitait des enfants plus tard. Et elle m'a répondu à ma question. Et elle m'a même retourné la question. Oh putain, je vais avoir un Minilander Junior à mes chéris. Un nouveau Minilander dans le commissariat. Ouais, un junior, s'il est aussi con que son père, ça va pas le faire, hein. Mon capitaine, voyons. Un mini TK dans le commissariat, tu imagines? Non, je te dis un truc, par contre. Oui, mon capitaine. Si t'es un meuf, je vais toucher le cul sans faire exprès, c'est pas grave. Ah, mon capitaine, c'est le genre de sujet que j'aimerais pas avoir avec vous. Allez, on descend, hein, s'il vous plaît, mon capitaine. Allez. Non, mais je te pose la question. Alors, mon capitaine, regardez-moi. Attends, Moumout, va là-bas, s'il te plaît, va là-bas, il faut que j'ai une vraie discussion avec. J'aimerais vous poser une simple question. Si vous avez le malheur... Enfin, allez, je vais être gentil, par accident, vous touchez le cul de ma copine. Mon capitaine, déjà une chose, je vous ferai rien, mais de deux, tous les jours, vous aurez le droit à des chabites tous les jours, au cul, et voilà, et au milieu. Attends, à la base, je voulais te faire un prank, mais je vous le dis. Là, ce jeu-là, moi, je te le dis, chabite là maintenant, hein. Allez, hop, ça sert à rien de vous cacher, mon capitaine, je monte, hein. Je parie, il va prendre l'indico. Bon, allez, mon capitaine, allez, t'arrêtes de plaisanter, on a plus 5 ans, mon capitaine. Mon capitaine, j'ai dit qu'on l'arrêtait, allez, on descend maintenant. J'ai l'impression, c'est... Oh, allez, on descend. Ouais, tu m'as refilé ta maladie de merde. Des triceratops. Aujourd'hui, je vais insulter des mères. Mères. Aujourd'hui, je vais insulter des mères. Mères. Ça marche pas. Et mon compte Twitter.